Bonjour à tous, bienvenue dans Jeudi Miracle. Il est 13h, passé de quelques minutes et vous pouvez entrer pour notre rendez-vous quotidien. Vous êtes les bienvenus, alors qui est là? Bonjour Marie-Jo, bonjour Flore, bonjour Constant. Bonjour à tous ceux qui vont entrer, à tous ceux qui vont nous suivre. J'espère que tout le monde va bien et que la journée a bien commencé. Et il y a qui encore? Bonjour, bonjour. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer. Tout le monde est le bienvenu. Bonjour Didier. Bonjour Richard Mwanda. Et bienvenue ici. C'est le bon endroit, à la bonne heure, le bon programme. Et on peut donc commencer. Et aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment demander à tout le monde, ceux qui ont quelque chose à revoir avec Dieu, ceux qui ont besoin de se faire pardonner pour quelque chose, ceux qui reconnaissent sur leur cœur que en eux, il y a un « ça ne va pas », pendant que la parole de Dieu va être libérée, qu'ils puissent dans leur cœur se repentir, qu'ils puissent se mettre en règle vis-à-vis du Seigneur et prendre la promesse, l'engagement aussi, si il faut réparer le tort vis-à-vis de quelqu'un, prendre cet engagement-là, parce que lorsque nous irons vers la fin, nous rentrerons dans des prières qui demandent que le terrain soit déjà balisé, donc par la repentance. Et au moment de prier, donc tout sera fin prêt, tous les ingrédients seront en place et puis Dieu exaucera tout le monde sans difficulté aucune parce que il a toujours pour objectif de nous faire du bien. Et la Bible déclare qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc aujourd'hui encore, il va nous faire du bien. Nous allons tous voir la gloire de Dieu. Les miracles de Dieu sont permanents, sont quotidiens, pourvu que nos cœurs soient disposés et que nous soyons vraiment convaincus que le secours peut vraiment nous venir de l'Éternel. Pour aujourd'hui, on va aller dans un texte qui est vraiment bien, qui va nous apprendre beaucoup de choses, comme tous les jours. On va aller dans le livre de Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 27. Chapitre 27, à partir du verset 39. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Matthieu 27, verset 39. Alors, qui peut lire là? Richard Mwanda doit avoir une Bible, je pense. Lorsque on rentre dans une église, on doit avoir généralement une grosse Bible sous les aisselles et une petite pour les hommes et une petite Bible dans un sac à main de femme. Donc monsieur Mwanda va nous faire le plaisir de lire Matthieu 27 à partir du verset 39 et puis je vais aussi accompagner cette lecture. Les passants l'injuriaient. Ah ben ça commence bien. Les passants injuriaient qui? La parole de Dieu, faut bien le savoir que le Seigneur s'adresse toujours à vous, toujours à moi, toujours à celui qui ouvre la parole. Donc là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous et il nous apprend que les passants sont en train de nous injurier. Oh! Et il secoue même la tête. Tiens. Alors,
Donc, le Saint-Esprit veut nous apprendre par là que, vu que la parole de Dieu est vraie, elle est véritable, donc lorsque nous marchons, lorsque nous sommes même chez nous, mais quelque part, certainement qu'il y a des gens, que vous le sachiez ou pas, qui sont en train de vous injurier. Ils vous injurient pour des raisons qui peuvent être discutables ou non, mais on doit savoir qu'il y a des injures à notre endroit et les gens secouent même la tête. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont déjà pitié de nous. Ils ont pitié de vous. On est outragé. Ils se moquent de nous parce que, est-ce que c'est du fait de notre maladie? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver du boulot, on est au chômage depuis 10 ans, depuis 15 ans? Et les gens se moquent de nous. Et les quolibets, c'est pas seulement parmi les voisins, non, même dans la famille. On se moque de vous. On se moque de chacun de nous. Au travail, n'en parlons même pas. Il y a des gens qui doivent vous en vouloir là-bas, qui doivent aller vous trahir, qui doivent souhaiter votre perte. Et les injures, ben, vont aussi à l'encontre, ben, des femmes qui n'arrivent pas à concevoir, tomber enceinte, elles doivent se dire, on verra par où est-ce qu'elle connaîtra la maternité. On va voir ce qu'elle va faire, ce qu'elle peut faire, qui peut lui venir en aide. Verset 40, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, vous êtes outragé. Donc vous, vous détruisez le temple puisque vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que les gens vous observent, les démons et Satan surveillent nos faits et gestes, et dès que on commet un dérapage, et dès qu'on est désagréable à Dieu, ben, ils s'en saisissent pour dire, surtout si ce sont des péchés du corps, pour aller dire à Dieu que voilà, ils sont en train de détruire ton temple. Il faut pas leur faire du bien. Il faut pas les aider. Détruisent le temple parce que la Bible déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple de Dieu, la Bible déclare, Dieu le détruira. Donc lorsque vous péchez avec votre corps, sachez que le monde des ténèbres exige à votre encontre l'application stricte de la loi divine qui dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc les démons et autres sont là pour rappeler à Dieu sa propre loi, que vous n'avez pas droit au pardon, que vous méritez la mort. Il ne faut pas que Dieu vous aide. Donc, il y a cette accusation-là lorsque on commet un péché qui détruit le temple de Dieu, qui détruit notre corps. Alors que les gens se disent, bon, il ou elle se retrouve dans des problèmes. Bah, rebâtir le temple en 3 jours. Vous êtes à l'église ou vous êtes chrétien, chrétienne de maison, vous êtes dans un groupe de maison et vous avez des difficultés, des problèmes. Et les gens se disent, mais elle dit qu'elle est chrétienne, elle se présente comme étant chrétienne. On l'a déjà vu même dans une rue avec une grosse Bible.
Elle était avec quelqu'un qui tenait sa Bible. Mais ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu, se trimballe avec des gens de son protocole qui lui transportent ses Bibles. Mais comment avec une aussi grosse Bible, elle n'arrive pas à tomber enceinte? Elle n'arrive pas à avoir un enfant? Voilà les injures qui fusent, que ce soit dans l'église, dans la famille, au travail, dans la société, parmi les amis et même parmi des gens que vous ne connaissez pas. Mais eux vous voient peut-être passer dans le quartier et puis se disent, bon, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'il aille au diable, on va voir là où il va avoir ce travail. Même des gens que vous ne connaissez pas vous injurient. Il faut le savoir. Et ils pensent en disant de vous qui êtes dans ce problème-là, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, puisque tu dis que tu es chrétienne. Ils se disent, bon, ben donc sors de ce problème. Tu es chrétien, tu te promènes avec de grosses Bibles. Ben, sors de ce problème. Tu chantes matin, midi, soir. Tu dis que tu es à la chorale, tu es une grande choriste. Mais tes ennemis se disent, bon, on va voir là où elle va sortir de ce problème. On va voir là où elle va trouver ce boulot. On va voir qui va l'aider financièrement. Et quand c'est comme ça, mais l'idéal c'est de ne pas céder aux injures, que vous en soyez conscient, consciente ou pas, que vous ayez entendu des choses lancées contre vous ou pas, il ne faut pas céder au piège de l'ennemi, au jeu de Satan. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas avoir peur. Le diable est un menteur. Romains chapitre 8, verset 1 le dit bien. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc les injures et autres ne peuvent pas vous atteindre. En étant en Christ, en venant dans notre royaume, le royaume de Dieu, vous avez la garantie de trouver la solution à votre problème. Pas de condamnation pour vous. Le diable est un menteur. Il a été vaincu, lié depuis plus de 2000 ans avec ses démons. Même s'il a des serviteurs qui essaient d'induire les gens en erreur, qui essaient de faire du mal aux gens, que ce soit dans les églises ou en dehors ou même au travail. Il n'y a pas de problème, il faut seulement lui rappeler qu'il a été vaincu. C'est pour ça qu'Éphésiens 4, verset 27, stipule bien, ne donnez pas accès au diable, même verbalement, surtout pas en pensée. Car nous sommes fils de Dieu, tel il est, tel nous sommes. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu, donc nous n'avons pas à tomber, à avoir peur devant les grimaces de Satan, devant ses envoyés. N'ayez pas peur, résistez au diable et il fuira loin de chez vous, loin de vous. Je suis souvent triste de constater et de voir que chez beaucoup de gens, chrétiens, ils ont une chrétienté qui, moi, me pose problème. Pourquoi? Parce que ils mettent, en fait, leur chrétienté à la réalité, fausse réalité de l'existence de deux dieux, si je peux le dire ainsi.
Donc, dans leur tête, il y a notre Dieu, Christ, Seigneur et Sauveur. Et dans leur tête, ils font de Satan aussi un Dieu. Et ils ont maintenant une chrétienté qui croit plus aux œuvres du diable qu'à la puissance de Dieu. Alors que la Bible déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. La même Bible déclare qu'il avait été chassé, qu'il est déjà lié, que c'est un imposteur, un menteur. Un jour, j'appelle une sœur en Christ, et cette sœur en Christ, de mémoire, doit au moins avoir 30 années de chrétienté, affermie dans le Seigneur, parlant en langue, jeûnant souvent, priant beaucoup, présente dans le temple. Et un jour, je l'appelle donc pour prendre de ses nouvelles. Il était 20 heures. Et dès qu'elle prend son téléphone et demande c'est qui, je me présente. Elle me reconnaît et puis elle me dit non, 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 faut me rappeler demain, je peux pas te parler et tout. J'étais surpris parce que habituellement, on pouvait échanger à cette heure-là. Et là, je lui demande, mais pourquoi ça? Elle me dit, non, 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 non. Tu ne sais pas que le diable, Satan et les sorciers commencent maintenant leur travail à 20 heures. J'ai dit, ah bon? Mais je lui dis, mais c'était minuit, non? Elle me dit, non, 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 non. Ils ont changé et nous aussi, nous devons maintenant prendre nos dispositions. On commence la veille à 20 heures aussi maintenant pour éviter de tomber entre les griffes du diable. Oh! Et donc là, elle m'a supplié de raccrocher tout que elle, désormais, à partir de 20 heures, tout est coupé, elle ne communique plus parce que mais les ténèbres travaillent, donc elle doit répondre aux ténèbres dès 20 heures. Oh là là. Et donc le lendemain, quand je l'ai rappelée, dès qu'elle a reconnu ma voix, elle-même elle s'est mise à rire, 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 rire. On a beaucoup ri. Je lui ai demandé, mais ça, quelle est cette chrétienté de la frousse? Et les gens sont maintenant comme ça, prenant Satan pour Dieu, pour ce qu'il n'est pas, et l'élevant à un niveau où il n'a pas à être. Donc vous devez être affermi dans le Seigneur et croire que Satan est un ancien ange de Dieu, déchu. Et qui n'a, avec la venue du Christ, la résurrection en nous, le Saint-Esprit, n'a plus d'emprise sur nous. Vous devez le croire. Et c'est une réalité. Verset 41, les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Et auparavant, à la fin du verset 40, il est dit, vous êtes défiés, puisque vos moqueurs disent, si vous êtes fils de Dieu, descendez de cette croix, sortez de ce problème. Voilà, vous êtes défiés. Et la vie chrétienne, mais consiste à répondre aux défis de la vie. Avant des défis, problème. La Bible déclare que nos frères dans le monde sont aussi soumis au même tracas. Mais maintenant, nous, dans le royaume de Dieu, l'avantage que nous avons, Dieu nous a donné des armes qui nous permettent de traverser les épreuves avec aisance, sans larmes, avec la certitude d'avoir la victoire, malgré les quolibets,
malgré que les gens se moquent de vous. Mais la victoire est certaine. Et ici, le drame, c'est que même vos pasteurs se moquent de vous. Même vos diacres, les anciens, se moquent de vous. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, sont les membres de l'Église. Même dans l'Église, on se moque des autres. C'est pour ça que la Bible parle lorsque l'apôtre Paul dresse son pédigré, il précise qu'il a fait face aux faux frères. Et c'est ce que vous vivez aussi, c'est ce que nous vivons tous. Nous sommes défiés. La bonne nouvelle, c'est que nous avons, avec le Saint-Esprit, la capacité, en tant qu'enfants de Dieu, de sortir de toute difficulté, de remporter tout défi. Il y a quelque temps, on a mis du temps ensemble sur Luc chapitre 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes le temple de Dieu par le Saint-Esprit. Et lorsque la parole précise que rien n'est impossible à Dieu, la parole veut simplement dire que rien ne vous est impossible. Faut remplacer Dieu par vous-même. Vos prénoms, c'est quoi? Richard. Rien n'est impossible à Richard. Rien n'est impossible à Constant. Rien n'est impossible à Didier, à Flore, à Germaine, à Pauline, rien n'est impossible à la très chère Lucia, rien n'est impossible à Matissia, à Daniel, rien ne vous est impossible. Faut bien comprendre ce que le Saint-Esprit essaie de réveiller en vous, cette prise de conscience que vous pouvez traverser tout océan, toute rivière. Ésaïe précise que les eaux ni le feu ne vous submergeront. Donc on se moque de vous, les sœurs de l'Église se moquent de vous, les sœurs de la chorale se moquent de vous. C'est ce que ça veut dire ici. En disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Elle aide les autres, mais qu'elle se sorte elle-même de cette situation. Elle aime Dieu, mais que son Dieu puisse faire quelque chose pour elle. C'est là où nous sommes face à un défi, que ce soit dans la maison du Seigneur ou à l'extérieur, partout où vos pieds se retrouveront, sachez que il y aura des gens qui vous défieront, que vous en ayez conscience ou pas, vous êtes défiés. On veut voir le Christ réellement en vous. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous est là, la Bible déclare, pour des œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que vous puissiez les accomplir. C'est votre tour. C'est pour ça que vous êtes défiés. Qu'allez-vous maintenant faire des railleries des autres? Donc vous allez rester comme ça, regardez. Donc vous êtes venu accompagner les autres dans cette vie dans laquelle vous avez déjà les promesses de Dieu. Il vous suffit de les saisir simplement. Vous aidez les autres, mais les autres ne viennent pas vous aider. C'est un défi qui vous est lancé pour que vous puissiez enlever l'obstacle qui empêche les autres de venir vous aider. Puisque vous avez l'habitude d'aider les autres, donc il n'y a pas de raison que vous puissiez demeurer sans secours, sans aide, sans assistance. Parce que la Bible déclare que c'est un rendez-vous du donner et du recevoir.
Vous avez droit à cela en tant qu'enfant de Dieu. Donc les gens se moquent de vous. Les gens disent que vous priez pour rien. Et les gens rigolent parce que lorsque vous priez pour les autres sont guéris. Les autres sont secourus. Et peut-être que vous-même, vous avez du mal à trouver le secours maintenant. On se moque de vous dans la famille, peut-être. Comment est-ce qu'elle est chrétienne? Elle donne sa dîme, donne les offrandes. Et j'entends même que vous donnez l'argent pour soi-disant, on vous raconte que pour avoir la délivrance, pour être délivré de l'oppression démoniaque, pour être guéri et tout, j'entends dire qu'il vous faut, on vous fait bâtir des hôtels, soi-disant, moyennant un peu de finances. Et vous cédez à cette tromperie, oubliant que l'autel par excellence, c'est Jésus-Christ, c'était la croix. Il a payé le prix, c'est terminé. Vous n'avez plus à aller dépenser de l'argent, à donner devant tel prophète, apôtre ou pasteuresse ou prédicatrice cupide. Non, c'est de la tromperie. Les gens vous défient, mais ce n'est pas une raison. Si vous recherchiez le secours de Dieu, ce n'est pas une raison d'aller le chercher dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu, même si elles vous sont présentées par des soi-disant serviteurs ou servantes de Dieu, cupides, qui vous dépouillent avec des subterfuges. Et vous cédez à cela pour aller bâtir des hôtels qui ne vous délivreront jamais. C'est Christ qui s'est sacrifié pour nous à la croix. Votre argent ne dépassera jamais le sang précieux versé par Christ pour nous. Vos offrandes données à des serviteurs de Dieu et servantes de Dieu cupides et charnels ne remplaceront jamais le sang précieux de Christ que nous utilisons dans nos prières, avec lequel nous travaillons pour dégager Satan de toute voie dans laquelle on se trouve. Et donc, il y a dans la vie ces choses-là, ces défis qui nous sont imposés. Mais ce n'est pas pour autant que l'on doit se perdre ou céder aux sirènes du mal ou aux sirènes de la perdition présentées par des serviteurs du diable, des apôtres de Satan déguisés en anges de lumière. Non. Il y a des critiques. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Voilà. Les gens disent de vous que si vous êtes vraiment reine en tant que membre du royaume de Dieu, co-héritière et co-ouvrière avec Christ, mais descendez de la croix. Si Christ est vraiment en vous, si vous avez vraiment Christ en vous, il faut sortir de ce problème. C'est le défi, ce sont les défis qui nous sont présentés par les adversaires, par les jaloux, par les gens qui vous envient, qui convoitent ce que vous avez, qui veulent prendre votre place au travail, qui ne veulent pas vous voir en bonne santé au risque que vous puissiez briller
au risque que vous puissiez suffisamment aider les vôtres. Ils ne veulent pas de ça. Alors que là, nous sommes défiés, mais à un moment donné, lorsqu'on réfléchit un peu avec le recul, on peut aussi se poser la question, mais est-ce que les défis, est-ce que les combats qui nous sont imposés ne vont pas aussi ne sont peut-être pas aussi quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça un mal pour un bien? C'est-à-dire, on nous pousse dans nos retranchements pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu qui est déjà en nous par le Saint-Esprit. Pensez-y. Parce que les chrétiens sont et doivent être la tête et non la queue. Et si on nous critique, si nous sommes malmenés, si nous sommes outragés, si vous êtes dans ce cas-là, dans cette situation, peut-être que vous n'êtes pas ou vous ne manifestez pas suffisamment la grandeur de Dieu, le Dieu qui est en vous et que vous transportez par le Saint-Esprit, qui peut résoudre tous les problèmes du monde. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Si c'est un problème d'argent, mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Je vous renvoie à Georgette Massing, qui était acculée par les créanciers, qui avait été abandonnée par son mari avec beaucoup de dettes. Elle était la risée des gens. Mais c'était accrochée à Dieu, à Christ, qui, après plusieurs mois de galère, de difficultés, d'insomnie, l'avait secourue. Lorsque le tribunal de Bobigny, en accord avec les mêmes créanciers qu'il a pourchassés pour une dette de 524 000 euros, les créanciers et le tribunal, de commun accord, avaient décidé d'effacer toute cette dette. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Les miracles sont quotidiens. Si c'est dans les infrastructures, n'y a pas de problème. Vous pouvez aller au Nigeria, là-bas, il n'y a pas longtemps, a été inaugurée la plus grande structure chrétienne du monde. Plus grande église mûre du monde, du bishop Paul Enéché, et qui a une contenance de 100 000 personnes. Un ouvrage incroyable, titanesque, bâti par la foi, comptant sur Dieu seulement. Et peut-être que on se moque de vous parce que vous êtes employé alors que dans le royaume de Dieu, votre identité, c'est employeur. Donc vous n'êtes pas à votre place. Rejoignez votre place, votre vraie place, puisque Dieu vous a donné les armes pour y parvenir. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour travailler pour les autres, peut-être que vous êtes fait pour employer les autres, bénir les autres, créer des emplois, créer de la richesse là où vous êtes. Et les gens donc se moquent de vous parce que involontairement, ils voient bien que vous n'êtes pas à votre place. Vous devez changer. Vous devez passer à l'autre bord.
devait être un employeur en tant qu'enfant de Dieu. Faith Tabernacle à Lagos, l'église du bishop David Oyedepo a bâti deux universités de renom, dont la première est classée 29e sur le continent. Et la même structure, la même église a créé, donc vous pouvez le faire, a créé des emplois. Et toutes les activités créées émanant de cette structure supportent une masse salariale de 23 000 personnes. C'est pour ça peut-être que lorsque les autres se moquent de vous parce que vous dites que vous avez Dieu, mais vous allez chercher du boulot chez les païens. Il y a un truc qui cloche. Quelque chose peut clocher là. Et les gens se saisissent de ça pour se moquer de vous et vous rappeler que vous n'êtes pas à votre place. Vous faites erreur. Vous avez le potentiel pour aller de l'avant, pour créer des activités, pour embaucher les gens. Si on se moque de vous pour le mariage, bah, Dieu va vous sortir de la difficulté aujourd'hui. Une femme naine a fait une prière pour trouver un mari. Personne ne s'intéressait à elle. Et un jour, elle a pris un engagement devant son Dieu pour faire quelque chose pour Dieu si Dieu lui donnait un mari. Et elle a cru par la foi. Peu de temps après, un monsieur d'1m90 s'est présenté amoureux comme il n'y en a pas de la dame naine. Alors qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour vous? Vous devez descendre de la croix. Vous n'êtes plus à la croix, vous n'avez rien à faire là-bas. Si c'est un problème de guérison, on se moque de vous à cause de la maladie. Mais la guérison miracle, c'est tous les jours. Et aujourd'hui est un autre jour de guérison, puisque la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Vous êtes aux prises avec les démons? Ben, c'est très simple, les démons, mais on va les chasser. Et on s'appuiera sur Marc chapitre 16, verset 17. On va les mettre dehors. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous devez donc ne pas céder à la raillerie. Verset 43. Ils vous disent, il ou elle s'est confié en Dieu, que Dieu le ou la délivre maintenant s'il l'aime. Ah! Voilà! Voilà là où il fallait qu'on en arrive. Et nous allons bientôt aller dans la prière, résoudre cette équation. Voilà, il fallait qu'on en arrive là. Il fallait qu'on nous défie pour que nous puissions descendre de la croix, pour que nous puissions manifester ce que nous sommes. Nous n'allons pas faire... Nous n'allons pas tergiverser, on va aller droit au but. Il nous faut descendre de la croix, on doit mettre fin
aux railleries, on doit faire taire les gueules des lions, on doit fermer les bouches aux personnes malveillantes et on doit lier les esprits démoniaques qui sont derrière ces railleries, derrière tout le mal qui est fait contre vous, dit contre vous, contre vos enfants, contre vos familles, contre vos études, contre votre commerce, contre votre porte-monnaie. On doit en finir aujourd'hui. Et ça ne sera pas quelque chose où on va implorer la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu pour les ennemis et autres. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas un ministère miséricordieux. Ici, on répand au feu, par le feu, et celui qui se répand avant que nous n'entrons en prière, gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous a dit de répandre au feu, par le feu. Lorsque on vous cherche noise, on cherche la guerre, vous laissez un peu de temps aux gens d'arrêter cela, vous tendez la perche, ils ne la prennent pas, ils n'écoutent pas, ils continuent à se moquer de vous, ils disent maintenant que si le Dieu dans lequel nous nous sommes confiés est vraiment Dieu, qu'il nous sauve. Et on va voir ça maintenant. Et on va voir ça. Et c'est pour ça qu'il faut venir à ces programmes où nous faisons taire les voix démoniaques, où nous lions les démons, où nous envoyons le feu, aller arrêter les œuvres du diable. Je vous ai déjà dit et redit que l'amour de Dieu console le cœur de l'homme. Lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a un chagrin, lorsque vraiment il y a un « ça ne va pas ». Mais il n'y a que la puissance de Dieu qui permet à l'être humain de sortir de la difficulté. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, c'est pour ça qu'il est dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. On n'a pas dit que le royaume de Dieu consiste à prier pour que Dieu pardonne les adversaires, les ennemis. Non, 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 non. Il y a des ministères de la compassion, il y a des ministères qui sont là pour ces choses-là. Mais nous ici, nous traitons d'un autre genre de problème. Et c'est pour ça qu'on doit répondre à toutes ces attaques-là. Et ici, ce n'est pas une piscine comme celle de Bethesda. Ici, à Bethesda, il fallait attendre. Bon, il faut qu'il y ait l'eau dans la piscine. Il fallait attendre un mouvement encore. Il fallait avoir quelqu'un pour vous pousser. Trop compliqué. Donc, je ne vous demande pas de jeûner, il n'y a pas de jeûne ici, il n'y a pas de prière absurde, pas de rêverie ici, pas d'abrutissement ici, si vous voulez vous abrutir, c'est ailleurs, parce que notre piscine apporte la guérison et le secours de manière permanente. Elle n'attend pas un mouvement, elle n'attend pas quelqu'un. Nous avons déjà le Saint-Esprit en nous. Nous avons la puissance de Dieu. Hier, nous avons listé les armes de Dieu. Donc, on a déjà tout ça là. Et il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Et ça va s'arrêter aujourd'hui. Nous allons vers la fin. Et pour la fin, on va aller au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres, où là-bas il y a
un ministre de Dieu qui s'appelle Emmanuel Sawadogo, avec sa femme Émilie Sawadogo. Et Émilie Sawadogo, servante de Dieu, elle était dans le ministère déjà depuis plusieurs années, mais son mari pouvait entreprendre des choses, ça marchait, mais elle, lorsque c'était son tour, ça ne marchait jamais. Au point que, dans leur couple, elle avait dit à son mari, écoute, même si on veut acheter un terrain ou quoi, il faut surtout pas mettre mon nom sur les papiers parce que ça va tout gâter. La mairie ne donnera pas les papiers qu'il faut. Donc, rien ne marchait dans sa vie. Rien ne marchait dans sa vie. Et un jour, par la grâce de Dieu, la persévérance et la foi, elle a reçu une prophétie de Dieu et elle est partie à un endroit. C'était un arbre où sa vie avait été spirituellement enterrée là. Elle y a déversé de l'huile. Elle a prié. Elle a déraciné spirituellement cet arbre. Elle a manifesté les paroles de puissance, les paroles de Dieu. Et depuis ce jour-là, sa vie avait radicalement changé. Auparavant, elle n'arrivait, même si son mari obtenait toutes sortes de visas pour l'étranger, on lui refusait toujours le visa. Mais à partir du jour où elle avait répondu au quolibet des ennemis, où elle avait répondu aux attaques par une défense vraiment spirituelle et puissante, en mettant en pratique ce que Dieu nous recommande de faire, elle a eu sa délivrance et à partir de ce jour-là, tout ce qu'elle a entrepris a toujours fonctionné. Et en moins de 6 mois, elle avait parcouru un bon nombre de pays à travers le monde. Et depuis ce jour-là, peu importe le pays, on lui donne toujours le visa. Et le Seigneur a ajouté abondamment à sa servante ce qui lui manquait hier, ce qui était l'engrais de ses ennemis, l'engrais des personnes qu'elle voyait physiquement qui étaient contre elle ou qu'elle ne voyait pas, ce qui leur donnait l'opportunité de se moquer d'elle. Dieu avait mis fin à ça et c'est la même chose qui va se produire pour toi maintenant, aujourd'hui. Ça va être la même chose. Lorsque nous sommes venus en Christ, nous sommes arrivés en Christ par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Après, lorsque nous avons débuté notre marche chrétienne, le Saint-Esprit nous a emmenés à Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Après, le Seigneur nous a révélé qu'on allait rencontrer des tribulations. Jean chapitre 16, verset 33, on était surpris, mais il a dit non, n'ayez pas peur. Prenez courage, car j'ai déjà vaincu mais le monde. Et on demande à ce moment-là, mais au Seigneur, mais comment passer à travers ces tribulations et vaincre les ennemis? Jésus-Christ nous a donné mais la solution. Il nous a dit de prendre Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Et la parole de Dieu nous demande aussi de prendre Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 et les versets suivants en disant clairement, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme face aux ruses du diable. Et Jérémie chapitre 10 verset 48 nous donne l'ordre et précise que maudit quiconque refuse de prendre part au carnage. C'est ce que nous allons maintenant faire. On va répondre au feu, mais par le feu, nous allons prier pour repousser toutes ces railleries, toutes ces attaques du diable, de ses serviteurs,
de ses servantes cupides, stupides, les faux frères de l'Église, les fausses personnes dans nos familles, les faux collègues au travail, tous ceux qui se moquent de nous, mais pêle-mêle, on va leur répondre aujourd'hui. Et nous allons prier, on va joindre tout le monde en prière. C'est jour de délivrance. Aujourd'hui, notre Dieu va nous faire honneur, car ils nous ont provoqué en disant s'il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, et il va délivrer tout un chacun maintenant. On va maintenant prier. Je joins à cette prière. Je vais prier pour Antonio et Rosa qui se trouvent en Allemagne, pour Matteo et Angela. Je prie pour Matteo et Stefania, que l'Église qui a commencé dans leur maison puisse grandir et qu'aucune œuvre du diable ne puisse venir entraver le plan de Dieu. Je vais prier pour Constantino parce qu'il commence à perdre la vue. Le diable est menteur. Il ne perdra pas la vue au nom de Jésus. Il aura toujours la vue d'un jeune homme de 20 ans. Je vais prier pour Sylvana qui manque de stabilité. Et tu vas recevoir la stabilité. Je vais prier pour Christina, mais ton problème va être réglé. Mais quiconque a emmené, mais quoi que ce soit, quiconque te cherche et veut te faire du mal sera vaincu. Aujourd'hui, je vais prier contre tous vos adversaires, tous nos opposants, tous ceux qui veulent nous voir échouer. Nous allons maintenant leur répondre aujourd'hui et nous allons nous tirer de cette croix. Nous allons sortir de toutes ces difficultés, de tout emprisonnement au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, de doute, de toute personne qui a peur des ruses du diable, je lis et je chasse cet esprit au nom de Jésus. Que tout esprit d'absence qui est envoyé pour mettre la perturbation dans les vies de quiconque soit maintenant lié, et je vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Je lis tout esprit de sorcellerie, je lis les esprits de conspiration mais démoniaque contre vous. Je lis, je déracine tout arbre satanique, tout arbre de la sorcellerie, tout arbre où vous avez été enterré, où votre destinée a été enterrée, soit maintenant déracinée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que le feu de Dieu déracine toute structure où votre place sainte a été enterrée au nom de Jésus. Que quiconque a avalé votre placenta à la naissance pour empêcher votre vie de clore, vomisse cela maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je brise les esprits de limitation, les malédictions générationnelles et autres dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que quiconque a pris un vêtement, votre stylo, votre écriture, vos ongles, cheveux, odeurs, chaussures, lunettes et autres qui vous appartiennent, sueur et autres, quelque chose qui vous appartient, un vêtement, sous-vêtement, et qui va emmener cela ou qui a emmené cela chez les marabouts, chez les médiums, chez les tradis praticiens pour vous faire du mal, chez les gourous, les magiciens, que le feu de Dieu les surprenne là-bas au nom de Jésus. Que toute chose qui sera faite contre vous se retourne contre leurs auteurs au nom puissant de Jésus. Que quiconque a creusé une fosse pour vous, la Bible déclare qu'il y tombe lui-même maintenant au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu pourchasse tous vos ennemis, jour et nuit, tous ceux qui se lèvent contre vous, qu'ils tombent maintenant au nom puissant de Jésus. Que la délivrance divine, que l'onction de Dieu, que le tonnerre de Dieu brise toute chaîne satanique, vous liant à quelque part au nom de Jésus. Que ça soit dans les cadenas, que ça soit dans les arbres, que ça soit sous terre, dans l'eau, dans les bouteilles, dans les valises, ou que ce soit dans les murs, quoi que ce soit qui vous appartienne, que ce soit votre vie, quelque chose qui vous est propre, qui vous appartient, votre destinée, que ce soit par des paroles, là où vous avez été lié, que le feu de Dieu vous libère maintenant au nom puissant de Jésus.
Que la grâce de Dieu soit sur vous. Recevez votre délivrance. Vous n'êtes plus sur le bois. Jésus-Christ est venu à votre secours. Donnez gloire à Dieu. Vous êtes maintenant libre en Christ. Vous pouvez désormais marcher la tête haute car la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il le fera et il vient de le faire. Il était venu, il s'est fait homme pour vivre avec nous, pour voir, pour partager nos souffrances et nos douleurs. Et il est parti, revenu en nous par le Saint-Esprit pour nous délivrer des pièges du diable. Et ce Christ vous a libéré encore aujourd'hui. Il est maintenant en vous par le Saint-Esprit. La Bible déclare que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les gens de toute maladie et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Que Dieu vous bénisse. Bonne conservation de votre délivrance. Je vous salue tous. On se retrouve demain. Grosse bise à tout le monde. On se retrouve demain, 13h, même heure, même endroit. Excellente journée à vous ou bonne nuit. Ça dépend de là où vous êtes sur le globe. Bonjour à tout le monde. Bise à tout le monde. Que Dieu vous garde. À demain pour un autre programme de bénédiction à travers l'aide du Saint-Esprit. Au revoir.